Cher journal, aujourd'hui j'ai pris ma plus belle plume pour te dire que j'ai rencontré un homme formidable. Combo ! Combo ! Combo ! Combo ! Combo ! Il s'appelle Marius. Son nom évoque la chaleur du sud de la France. Il est un peu timide, mais ça n'est pas pour me déplaire. Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Et en plus, il a une belle situation. Il est chef d'un magazine. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. Il me donne envie de voler comme Batman. Non, comme Mario. Enfin, je sais plus. Faut que je demande à Dark. Je crois que c'est l'homme parfait. Tourne-toi, 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 tourne-toi. À moi. Tourne-toi. Lui, c'est Dark Angel 64. Ses amis l'appellent 64, mais comme il n'en a pas, les gens l'appellent Dark. Sa passion, les jeux vidéo. Son revenu, son appartement qu'il sous-loue à... Caroline, étudiante en fac de psycho, qui ne comprend rien aux jeux vidéo. Par contre, elle se plonge corps et âme dans sa collection de poupées de porcelaine. Il loue également à Jérôme, graphiste maquettiste dans un journal culturel. Si on pouvait résumer Jérôme en une phrase, il a trop kiffé le dernier Godard. Et puis, il y a Régis Robert. Ouais. Et Régis Robert, c'est mon prénom. Bon bah Marius, je t'attends dans ma chambre. Ça serait bien que tu la vois quand même. Hé Marius, je sais pas si t'es au courant, mais à Grenoble, il y a un musée d'art contemporain qui s'appelle Le Magasin. Et comme toi, t'es magasinier, bah, je trouvais ça marrant. Tu t'intéresses à l'art contemporain? Oh, moi c'est le tuning. Tu sais, Jérôme, quand tu me parles comme ça, là... Ouais. Tu m'emmerdes. Si c'est ça, j'ai maté un DVD. C'est tout seul dans ma chambre. Wouah ! Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi, Marius. Eh, viens, on vire ce sale Jérôme et tu t'installes chez nous, quoi. Il y a un garage, là ? Non. Tu crois que je vais laisser ma caisse dormir dehors ? Tu laisserais ta meuf dormir dehors, toi ? Je sais pas, j'ai pas de meuf, j'en ai jamais eu, en fait. Non, mais ouais, je la laisserai pas dormir dehors, hein, ça, c'est sûr. Je me sens seul, putain. Je suis seul. Non, t'es pas seul. Le soir, quand tu pleures, je suis là et je te regarde. Une fois, je suis allé au garage, et vu qu'on en a pas, j'étais dehors. Une fois, j'ai mis mon vélo au garage, et on me l'a volé. C'est quoi, Marius? Toi aussi, quand tu parles, ça m'ennuie sévère. Baltringue, quoi. T'as peur dans ta tête. T'as peur dans ta tête. Quand tu pètes, on te voit plus. Oh, tu l'as fini, Metal Slug? Non, j'ai fait que le premier niveau. Ah, ok. Et Micro Machine, tu l'as fini, Micro Machine? Non, j'ai fait que le premier niveau aussi. Mais tu fais que les premiers niveaux, en fait. Ouais, c'est parce que j'aime bien le chiffre 1, en fait. Je comprends. Moi, mon chiffre préféré, c'est 5. 5 comme mes doigts, 5. Et Marius, j'en ai marre, je t'ai attendu toute la nuit. Tu vas pas me faire croire que tu préfères jouer aux jeux vidéo plutôt que de coucher avec moi. Je te préviens, hein, si t'es pas là dans 30 secondes, tu peux toujours courir pour qu'on se revoie. Et tu sais quoi? Tu sais où tu pourras te le mettre, mon Pierrot? Dans ta lune. Ouais, tu vois, même quand je suis énervée, je peux faire des blagues. Trop de tension! Caroline! Tu m'écoutes? Dis, Caroline, pourquoi il vient plus, Marius? Il me manque, je suis triste. Je l'ai largué. Vous ne le reverrez plus jamais. Non, c'est pas possible. Parce que, à nous deux, on faisait le club des cinq. Moi, j'étais Dagobert, le chien. Ouais. Et lui, il faisait les quatre autres. Même la fille garçon, qui met des pantalons. Non, mais vous avez vu comment il était absent de ma vie? Tu sais, si t'étais venu sur le canapé, tu l'aurais vu plus souvent, quand même. Hein. Ouais. Non, mais très drôle. Hein. Ça me fait vraiment pas rire. De toute façon, c'est pas la peine d'en parler, on le reverra plus.
C'est Marius. 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 C'est nous. Marius. Oui, au revoir. Au revoir. C'est quoi des blaireaux? C'était pour moi. Hein? T'as vu, il revient.